Regarde. Le voilà, c'est lui. Rover, Rover, par ici. Rover, juste quelques mots. Bienvenue, mesdames et messieurs. C'est Rover, c'est vraiment lui. Je suis Sadie Mac Spots et je vous parle en direct du tapis rouge au moment même où arrive Rover, le présentateur vedette du célèbre show Popstar. Dites-nous, Rover, croyez-vous qu'un des concurrents pourra battre Bark cette année? À mon avis, Bark va être très difficile à battre, mais nous continuerons à chercher dans toute l'Amérique un nouveau champion. Youpi, wah, wah! Bienvenue à tous au plus prestigieux des concours de talent du monde. Ce soir, notre périple à travers le pays nous a amenés à Chicago, où se trouve peut-être notre prochaine popstar. Ce soir, je serai votre présentateur. Alors, voici Popstar! Je reviens pas, je vais auditionner! Je sais, c'est trop bien! Mais d'abord, rappelons les règles de cette saison. À chacun des participants sera décerné un magnifique os d'or et les meilleurs d'entre eux pourront participer à notre grande finale qui se tiendra à New York et où le gagnant se verra offrir un contrat national pour l'enregistrement d'un disque. Les concurrents ne devront chanter que des chansons originales, mais sans plus attendre, accueillons notre équipe d'illustres juges. Voici donc la star internationale de la chanson pop, la sensationnelle Lady Popo. À vous de jouer. J'ai hâte d'entendre vos jolies voix. Le plus talentueux des artistes de reggae de toute l'histoire canine, voici Doug Larley. Salut les potes, c'est un honneur d'être là. Et maintenant la star incontestée de la musique country avec son éternel chapeau de cow-boy et sa personnalité bien trempée, Blake Shelton. Alors, ça roule, prêt à nous faire entendre un bon vieux honky-tonk? Et évidemment, le juge que tout le monde adore détester, Simon Grohl. Bonsoir tout le monde, moi aussi je vous déteste. Et comme je le dis au chat de mon voisin, si vous n'aimez pas la chaleur, ne venez pas dans mon four. Et maintenant, un message de notre sponsor. Sur notre planète, les choses n'arrêtent pas d'évoluer. Les humains ont appris à marcher et le meilleur ami de l'homme a appris à parler. C'est bien, tu veux attraper la balle? Vas-y, lance-la. Tu as parlé? Ben ouais, quoi. Vas-y, mon pote, lance-la. Les friandises pour chiens, évolution, parce que la nature évolue. Bienvenue sur Popstar. Il n'a plus besoin de présentation, mais nous allons lui faire une ovation. Sous vos applaudissements, accueillons le gagnant des deux dernières éditions, Bark. Chasing a dream down a lonely road. Your tail is dragging, it's a heavy load. You never whine, you don't quit. Just dig a little deeper and scratch that itch. When you get your shot, give it all you got. Don't just knock 'em dead. You gotta rock, you gotta rock 'em dead. Hey, Tune, ça va commencer. Dépêche-toi. Du calme, sinon tu vas t'emmêler les chakras, mon cher vieux cabot. Ça y est, j'y suis. Alléluia. Non, je suis Doug de Popstar. Génial, pas vrai? Ah, voyons ce que ça va donner. Ouais, c'est pas mal. Quoi qu'un peu forcé, peut-être. On dirait moi qui est étranglé par une pieuvre. Crazy like a hurricane. Keep rocking every chance you get. You gotta rock 'em dead. Whoa, whoa, whoa. You gotta rock 'em dead. Tous, je suis né pour le rock'n'roll. Je vous aime, mais je m'aime encore plus. Éteignez-moi ça, c'est nul. Tu plaisantes, Charlie? Je rêve d'y aller, moi, Popstar. Et je peux te jurer que j'y ferai un véritable tapin. Je deviendrai aussi célèbre que Bionchien ou K9, je te le dis. Moi, je rêve que tu arrêtes de chanter. Et aussi qu'un plat de côtelettes bien juteuse me tombe du ciel. Bien que ça me fasse vraiment mal de devoir le dire, ta performance était... meilleur que jamais. Ah, bah merci. Bah, tu es un macho plein de ressources. Tu es magnifique, magique. Je sais que tu m'aimes.
Cette année encore, Bark remettra son titre en jeu et se mesurera à de nouveaux concurrents pleins de talent dans l'espoir de devenir le tout premier triple champion de Popstar. Il faudra me passer sur le corps. Sous vos applaudissements, accueillons le candidat suivant, le chanteur d'opéra Pavarotti. Con lo sguardo alla valle e traverso le montagne sull'oceano il cielo blu ti racconto la terra ma dove andremo l'amore ci guiderà. Ils ont aucune chance, je vais le gagner ce concours, les doigts dans la truffe. Bark, t'en dirais quoi si moi aussi je me présentais puisqu'on est là? Pugley, tu veux rire ou quoi? Tu n'as aucun talent. Alors, en tant qu'ami, je te le dis sincèrement, non. Je te dis ça pour te protéger et pour t'éviter la honte. Merci, Bark. T'es vraiment un ami. Et puis jamais je ne trouverai un meilleur assistant. Et maintenant, va me chercher de l'eau. Et Charlie, fais gaffe, voilà Roland qui se pointe. C'est quoi encore tout ce boucan? Ouf, il s'en est fallu de peu. Alors là, c'était exécrable. Comment ça s'est allumé, ça? Hein? Ça, tu vas le regretter. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? T'as dit quelque chose? Il veut un biscuit, le chien-chien. Bon, et toi? Tu dégages. Trouver un acheteur. Waouh, j'ai décroché la timbale. Bonne chance à vous, les gars. Je vous ai à l'œil, hein. Oh, j'ai un de ces tracks. Tu vas être génial. Je serai dans le public, alors imagine-toi que tu ne chantes que pour moi, ok? C'est à toi, Tiny. Oh, j'allais oublier ça. Mais ce sont les barrettes que ta maman t'avait offertes. Je sais bien, mais si toi tu en as une et moi l'autre, je suis sûre que ça te portera chance. Lou, tu crois vraiment que je vais y arriver? J'en suis tout à fait sûre, Tiny. J'ai confiance en toi, comme toi tu as confiance en moi. Et maintenant, notre dernière et plus petite concurrente. Elle est délicate comme une rose et porte le joli nom de Tiny. La voici! Mais je me sens un petit peu nerveuse. Il n'y a pas de quoi, Tiny. Tout se passera bien. On va pas te mordre. Ne sois pas timide, ma jolie, et parle-nous un peu de toi, d'accord? Je vis à Chicago avec mon ami Lou et son papa. Et il y a aussi notre nounou, Ida. Oh, on a frôlé la catastrophe! Encore un peu et on ratait la fin du spectacle! I was feeling so lost and scared, hoping to find a home. Then you came to me when I was all alone. You opened up your heart and helped me truly see that we are one big family. Nothing can break our bond. We'll always make it through. If you are by my side, if you believe in me and I believe in you, together there's nothing that we can't do. If you believe in me and I believe in you, hand in hand we'll see our whole life through. Tu as de l'or dans la voix, mon chou. Je reconnais que tu as un vrai talent, mais tu dois encore chercher à te dépasser et chanter avec encore plus d'émotion. Je veux te voir occuper la scène comme le fait Lady Pow Pow. C'est joué à pile ou face, mais j'ai l'impression que tu vas savoir nous étonner. Alors c'est oui! En ce qui me concerne, tu as ce petit plus. Tu
Tu es mignonne, ça je te l'accorde. Mais ta voix n'est pas assez maîtrisée pour cette compétition. Désolé. Oui, je comprends. Merci de m'avoir écouté. Je... Peut-être l'année prochaine, alors. Une minute. Hein? Tiny, je te donne ma carte coup de cœur. Tu te rends compte de ce que ça signifie, mon chou? Non. Tu as obtenu un os d'or et ta place dans la grande finale à New York City! Ouh, ouh. Je ne peux pas y croire! Merci, merci, merci beaucoup! Faites attention, messieurs, parce que cette petite chienne est bien capable de casser la baraque! Bien joué! Félicitations, Tiny! La petite Tiny a reçu le premier os d'or de la saison et va donc rejoindre Bart lors de la finale. Et ceci vient clôturer notre soirée Popstar à Chicago. Alors moi, Rover, je vous le demande, qui sera la nouvelle Popstar? Youpi Wawa! Salut, mon cœur. Papa, Tiny a reçu un os d'or. On ira à la grosse pomme pour la finale? Quoi? À New York? Chérie, tu ne crois pas que c'est un peu loin de chez nous? D'après la carte, New York n'est qu'à 30 heures et 27 minutes de route. Est-ce que tu es sûre de ça? On irait juste toi, moi et Tiny. Ce sera un beau voyage. On a toujours rêvé d'aller voir New York. On pourrait même emmener Ida. Mon ange, je sais que c'est difficile pour toi de le comprendre, mais j'ai énormément de travail. Ne prends pas cet air-là. Je sais que vous voulez me faire craquer toutes les deux. Il est temps de dormir. Allez, couche-toi. Bonne nuit. Maman a toujours dit que même les rêves qui nous semblent impossibles, un beau jour pourrait très bien se produire. Je te promets d'y réfléchir. Je vous aime très fort. Moi aussi, je t'aime. Ida. Pardonnez-moi. Dors bien, Tiny. Bonne nuit, Lou. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Lou. Mimi, Missy. Elles sont parfaites, tes notes, Sweetie. Attention, Mitten s'approche. Tiny, Sweetie, arrêtez. Laisse Sweetie tranquille. Tiny. Tiny. C'est la vérité, Monsieur Steven. On ne sait pas où elle est. Quoi? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Sois tranquille. On va la retrouver, ok? Je te le promets. Et Charlie, attention! Roland revient! Pour la centième fois... Je ne suis pas un chien errant. J'ai un collier, vous voyez bien. Tu avais un collier. Et si vraiment ta famille tient à toi, alors ils offriront une belle récompense à celui qui t'aura retrouvé.
Voilà tes nouveaux compagnons. Et arrête de pleurnicher. Génial, encore une qui va me tenir éveillé toute la nuit. Ah, moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Vous savez ce qui me manque le plus du dehors? Les barbecues. Mon ami Lou, je l'ai perdu à jamais. Et tout est de ma faute. Attends un peu, je me trompe ou c'est toi le Yorkshire qui a reçu l'os d'or à Popstar? Oui, c'est moi Tiny. Waouh, ça alors, je suis très honoré de te rencontrer. Moi, c'est Tune, styliste pour chanteur semi-professionnel. Arrête de pleurer. Une jolie petite chienne comme toi n'a rien à craindre. Ta famille va mettre des affiches et offrir une récompense et Roland va miraculeusement te retrouver. Il y a deux choses que tu vas apprendre ici. En un, t'as intérêt à fermer ta petite gueule. Et en deux... M'en dis si tu veux que je te donne à manger. Miam, miam. Bonsoir, Charlie. Oh, t'as vu ça? Demain, ça fera tout juste un an que tu es là. Et tout le monde ici sait ce que ça veut dire, pas vrai? C'est ton tout dernier pas. Oh, on dirait que ton karma n'est pas très bon aujourd'hui. C'est ton repas maintenant, Andouille. Clébar, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est son dernier repas? Moi aussi, bientôt, je pourrai partir. Hé, Tiny, tu n'aimerais pas que ce soit ton dernier pas, crois-moi. Après un an, eh bien, c'est le moment. Où le rideau tombe. Le rideau tombe? Disons que... on sort de scène. T'inquiète pas pour lui, Charlie a un plan B. Que le spectacle continue! Ça veut dire qu'il va s'échapper? Chut, chut, pas encore. Il attend d'abord le train de minuit. Un intermède musical pour les hôtes du Happy Ranch. En avant pour votre chanson préférée, les gars. Oh, I wish I were a cat. A big old fluffy cat. Même pour sauver sa vie, il serait pas capable de chanter juste. Run around the neighborhood without my leash. And if I could be a cat, I'd be all right with that. I know I'd always be smarter. C'est le moment, tu t'évades. Chut. Tais-toi. Désolée, mais je n'ai encore jamais assisté à une vraie évasion. Nom d'un petit chien. Attends, qu'est-ce que tu fais? Wow, il fait vraiment tout noir là-dedans. Comment tu as fait pour arriver là? Je ne sais pas, je me suis juste faufilée. Tu ne te rends pas compte? Remercie Vishnu et Ganesh, tu as gagné ton billet de sortie. Ouais, ouais, c'est pas comme si elle avait une chance. Ne l'écoute pas, Tiny. Suis tes rêves et fonce. Bien dit, merci mon gars. C'est quoi cette histoire? Vas-y, cours Tiny, vite. Et souviens-toi de moi quand tu seras célèbre. Monsieur Charlie, j'arrive, attendez-moi. Charlie. Monsieur Charlie, où êtes-vous? J'ai la berlue ou quoi? C'est moi, Tiny. Moi aussi, je m'échappe d'ici. Tant mieux pour toi. Maintenant, lâche-moi, vu? Hé, hey, là-bas, reste où tu es! Oh, mon bandana s'est accroché. Attends! Sauve-toi, petite. Mais c'est votre vie qui est en jeu. Ne reste pas planté là, cours! Hey! Monsieur Charlie, attendez! Monsieur Charlie!
bonne chasse, Roland. Vous m'avez sauvé la vie, Monsieur Charlie. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Laisse tomber, ma petite. Au prochain arrêt, tu pourras changer de train et aller retrouver ta famille. C'est trop tard. J'ai perdu mon ami Lou et tout est de ma faute. Je ne suis plus qu'un chien errant. Oh, te la joue pas tragique, ma petite. T'as une sacrée chance, tu sais. Si tu deviens une bourlingueuse comme moi, t'auras plus de compte à rendre à personne. À qui vous rapportez la baballe? Oh, j'ai l'air de quelqu'un qui rapporte une baballe ou quoi que ce soit. J'ai besoin de personne, c'est clair? D'où Jésus? Quelqu'un vous aurait volé votre joujou? C'est rien de ma vie, ma petite. Bonne nuit, Monsieur Charlie. Faites attention aux attaques de puces. C'était pas la peine de me le rappeler. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir. C'est fermé. Oui, je sais qu'il est tard, mais c'est très urgent, je vous assure. Je recherche un Yorkshire. On l'a perdu aux environs de Park 8. Un Yorkshire? Non, ça me dit rien du tout. Ce petit chien est très important pour ma fille et pour notre famille. Je compatis, ça doit être terrible, mais je suis très occupé. Si quelqu'un m'aide à le retrouver, j'offre 10 000 dollars de récompense. 10 000 dollars? Ce qu'on va faire, c'est... Vous n'avez qu'à me laisser vos coordonnées et je garderai l'œil ouvert. Entendu. Voici ma carte, mon numéro est juste là. Tout se passera bien. On va vous le retrouver. Très bien, merci à vous. Wherever I am. Salut. Les humains sont interdits ici. Il est là, le chasseur de primes Cano. Est-ce que je pourrais le voir? Tu rêves ou quoi? On est de vieux amis. Il en a pas d'amis. Et Cano est du genre solitaire. Il y a un humain qui veut vous voir. Il dit qu'il est un pote à vous. Il a amené ce qu'il faut. Ouais, il en a tout un sac. Laisse-le passer. J'espère que tu sais ce que tu fais. Cano, j'ai apporté un sac entier. Je sais que toi et ton gang, vous adorez ça. Qu'est-ce que tu veux, humain?
Je voudrais que tu m'aides à chercher deux chiens qu'il faut absolument que je retrouve. Oh, je te remets maintenant. Tu es le gars qui traque les chiens errants. Oui, enfin, disons plutôt que j'ai à cœur de recueillir et de prendre soin des chiens abandonnés. Ok, si je comprends bien, tu es en train de me demander mon aide pour chasser d'autres chiens. Tu dois être encore plus stupide que je ne croyais. Pitié, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît! Pitié! Écrase-toi, bouffon! Quelle boule mouillée! Ha! Je me fiche de ta poire! Allez, debout! Je suis un chasseur de primes, c'est ce qui compte. C'est qui la cible? Combien tu offres? C'est un vieux pote à toi, Cano. Charlie! Charlie! J'ai un ascenseur à lui renvoyer. Tu connais le dicton, œil pour œil. C'est quoi le gros lot? Je t'offre 50 sacs de croquettes évolution. Et tu peux garder la prime sur Charlie. Ce qui m'intéresse, c'est la petite Yorkshire qui l'accompagne. Pourquoi? Pour... C'est juste pour un ami, c'est tout. Elle n'a aucun intérêt, mais il me la faut indemne. Ok. Tant qu'elle ne se met pas entre moi et Charlie, elle devrait pouvoir en sortir intacte. Bonjour, Monsieur Charlie. Vous avez bien dormi? En dehors du boucan que t'as fait hier soir. Ça s'appelle chanter. La maman de Lou nous chantait ça pour nous endormir. C'est décidé, il faut que j'aille à New York et que je gagne Popstar. En mémoire de mon ami Lou. C'était notre rêve à toutes les deux. Popstar, hein? Pas besoin de ça pour être heureuse. Faut pas croire ce qu'on en dit. Les chiens trichent, mentent, volent. Plus vite tu sauras qu'on est tout seul et mieux ce sera. Tu n'as pas faim, Lou? Non, merci, Ida. Formidable. Merci, Pete. On a retrouvé Tiny? Pas encore. C'était mon travail. Je leur ai expliqué que j'avais un problème de famille et que je voulais prendre quelques jours de vacances. Alors, si tu veux, on va chercher Tiny ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Mauvaise nouvelle, il s'est tiré. Tu m'avais assuré que ça ne pourrait pas arriver. C'est à cause de cet idiot. Tu doubles la prime et je m'en occupe moi-même. Il t'approchera pas. Fais ce que tu veux, mais mets-le hors d'état de nuire. Où est-ce que nous sommes? D'après ce que je peux en voir, la banlieue de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans? Le berceau de la musique jazz? On va aller écouter du jazz, Monsieur Charlie? On va nulle part ensemble. Mais maintenant, je n'ai plus personne en dehors de vous. Je suis pas ta nounou. Je marche seul, sans témoin, sans personne. Te retourne pas, ne regarde pas ça, Frimos. Tu vas encore te faire embobiner. Oh, Charlie, t'es un pigeon de première. Bon, d'accord, t'as qu'à me suivre, mais seulement jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution. Monsieur Charlie. Mais à une condition, plus de pleurnicherie, et tu me demandes plus rien en faisant ces petits yeux larmoyants. Pour être tout à fait exact, ça fait deux conditions. Mais c'est d'accord, vous ne le regretterez pas. Ah, je le regrette déjà. Psst, hé, toi, jeune fille. C'est à moi que tu parles? Oui, évidemment. Si tu dis que ton chien a disparu, Roland, l'employé qui travaille à la fourrière, y est certainement pour quelque chose. Pourquoi il ferait ça? Que tu es bête! Pour avoir la récompense, bien sûr. Elle doit être au Happy Ranch. Moi, je t'ai rien dit, en tout cas. Bonne chance, fillette. Papa! Ida! Quoi, chérie? Monsieur Charlie, est-ce qu'on peut aller voir votre famille? Je te l'ai déjà dit, petite, j'ai pas de famille. Et voilà! Ça ira? Tiens, voyez-vous ça. Regardez donc qui le vent nous amène. Content de te voir, Charlie. Tu as faim? Ça te dit une entrecôte? Non, c'est gentil, Angus. Je suis venu voir Big Ears. Oh, lui, il est sur la scène où tu veux qu'il soit.
Laissez le bon temps rouler. Ici, rien ne change jamais, ma couleur. Much, baby. Leave my heart a-string. Merci à tous, merci, merci. Ce soir, vous allez vous régaler du rythme enflammé des Hoondogs Diggities. Et il va de soi que vous savez qui je suis. Je suis Big Ears pour vous servir. Voilà une odeur que je reconnaîtrais n'importe où. Est-ce possible? T'as toujours le swing et la voix la plus pénétrante de tout le sud. Charlie? Waouh, mon vieux pote. Qu'est-ce qui a bien pu te ramener à Nola? Quand Big Ears pousse la chansonnette, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qui c'est qui est avec toi? Je m'appelle Tiny. Quelle voix magnifique, monsieur Big Ears. Elle est pas vraiment avec moi. Disons qu'elle m'a juste suivi dans le voyage. C'était plutôt une évasion. Une évasion, tu dis? Et tu comptais aller où, ma petite? Je devrais être à Popstar. Popstar? Tu m'en diras tant. Tu crois que tu allais drip pour aller à Popstar, Tiny? Je pense que oui, monsieur Big Ears. Tiny, ça t'est déjà arrivé d'être vraiment triste? Je le suis maintenant. Mon ami Lou est au ciel et c'est de ma faute. Alors il faut que tu nous fasses ressentir cette émotion. Allez, amène-toi. Montre-moi ce que tu en fais. Il va t'enseigner le blues. Un chien de chasse, ça en a dans le ventre. Had the blues so long, my blue sky turned to gray. I haven't felt the sun since you went astray. My tail ain't wagging, and you're the reason why. You're the reason why. I'm gonna get some wings. I'm gonna learn to fly. Gonna find a new place where there's blue sky. À toi maintenant, va te chercher au fond de ton âme. Had the blues so long. Ça doit vibrer. My blue sky turned to gray. Il y est presque. Haven't felt the sun since you went away. Vas-y, vas-y, ouvre ton âme. Fais-nous sentir ce que tu ressens. Raconte-nous ton histoire. Since I lost my girl. Ouais, tu l'as, my blue sky turned to gray. It's a lonely world when your best friend's gone away. Yeah. And my tail ain't wagging, and she's the reason why. I'm gonna get me some wings. Sors gonna tes ailes, learn how to fly. Envole-toi. Gonna find my way back home with this blue sky. C'était pas mal. Je crois qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements à notre invité d'honneur, Tiny. Elle me fait penser à quelqu'un d'autre à qui j'ai enseigné le blues. Mais maintenant, les gars, je regrette pour vous, mais j'ai une très mauvaise nouvelle. Il est temps pour votre serviteur de rentrer à la niche et d'aller roupiller. On se retrouve ici demain. C'était génial, Big Ears, comme d'hab. Pour cette dernière soirée à Minneapolis, voici le chien qui vous donnera envie de danser. Pharrell. I like to keep it tight, don't let the fleas bite. I like to keep it fresh like no breath. Y'a quelqu'un? Tu comptes répondre? Papa, regarde, c'est le cognet de Tiny. Oh. Bon, reculez. Oh, papa, est-ce que ça va? Je crois, oui. Il y a presque toujours une clé en dessous du paillasson. Hein? Et... C'est la classe, mec. Rendez-vous à New York pour la finale. Il est là. Chut, Roland s'amène. Tiny! Tiny! Namasté. En quoi pouvons-nous avoir le plaisir de vous aider? Si c'est Roland que vous cherchez, on peut rien faire. Mais si c'est un chien que vous cherchez, vous ne trouverez pas mieux que moi. À moins évidemment qu'un vrai chien d'expo soit pas votre genre. Je cherche mon chien Tiny.
C'est un Yorkshire. Oui, Tiny, une jolie petite chienne qui chante comme une déesse. Oui, c'est elle. Elle a sauté dans un train avec un vieux grincheux qui s'appelle Charlie. Elle était bouleversée parce que son amie Lou est morte. Mais c'est moi, Lou, et je suis là. Tu es vivante! Ah, ah. Non, par tous les dieux. Quel train? Pour quelle destination? Charlie a parlé d'un ami avec des oreilles pendantes comme celles de Ganesh. Je pense qu'il allait vers le sud, ouais, une ville qui s'appelle Nola. La Nouvelle-Orléans? Et Tiny est partie avec lui? Il faut qu'on y aille, venez. Non, non, attendez, je sais chanter, je sais danser, je sais réciter de la poésie. Attendez, attendez, mais revenez. Ne nous laissez pas ici. Papa, regarde-les, c'est trop dur de les abandonner. Roland est un horrible personnage. Et pour ma part, je meurs d'envie d'un curry. Je crois que je vais le regretter. C'est carrément comme si on partait en voyage en famille sur la route. Oh, ce serait encore mieux avec de la sauce barbecue. Tu m'en passes? Ça va faire une scène exceptionnelle dans mon biopic à Bollywood. Je suis carrément enthousiaste. Monsieur Big Ears, comment vous pouvez savoir où vous allez si vous ne voyez pas? Sache que nous, les chiens pisteurs, on est tout oreille et flair. Ici, il va falloir qu'on passe un à la fois. C'est une petite attrape contre les intrus. Les docks sont parfois très mal fréquentés la nuit. Suivez-moi. Bienvenue dans ma piole. Faites comme chez vous. Bonne nuit, Monsieur Charlie et Monsieur Big Ears. Faites attention aux attaques de puces. T'as vraiment besoin de me le rappeler à chaque fois. Bonne nuit, Lou. Tu me manques. Je suppose que tu le sais déjà. Popstar a fait de Bark une véritable star. Ouais, ça me rend dingue à chaque fois que je l'entends chanter mes chansons. Et elle? Tu as eu de ses nouvelles? De qui? D'Emily Rose? Elle est malade. Le veto dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Ah oh, non. Elle a toujours voulu t'épargner. Où est-elle? Elle est à Nashville. Ça y est, je les ai trouvés. Qu'est-ce que t'as bien pu sentir, à part le poisson? Je suis impatient de voir la tête que fera Charlie quand il ouvrira les yeux et qu'il me verra en train de le regarder. Debout, quelqu'un vient. Hein? Attends, je vais voir. Ce Yorkshire va me rapporter 10 briques, alors fais gaffe. Roland. Et il est avec Cano, le chasseur de primes. Il faut qu'on se tire d'ici. Pas de panique, Charlie. Big Ears a toujours un plan B. Je te le revaudrai, Big Ears. Après toi. Les humains d'abord. Attendez le plouf. Suivez le fleuve aussi loin que vous pourrez et vous verrez un pont. Bonne chance à Nashville. Ok, allons-y. Quoi? Vous voulez que je vienne avec vous? J'ai pas trop le choix. Ils en ont après toi aussi. Allez, viens, petite. Que va-t-il vous arriver? T'inquiète pas pour moi. Je vais les retenir. Merci beaucoup, Monsieur Big Ears. Debout, espèce d'imbécile. Monsieur Charlie, attendez-moi. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite? Charlie. Où est le Yorkshire? Où est-ce qu'on va, monsieur Charlie? Attends, vieux. Je vais t'aider. Voilà notre carrosse. Allez, à bord. Wow. Thank you.
part, then I steal the show. I represent the motor city. Ouais, ça c'est une pile. Du sirop d'érable, s'il vous plaît. Un restaurant qui ne sert pas un simple curry, c'était lui ça. P. Diggy what? P. Diggy rough. Yo, man! J'adore tes rimes, ça c'est ce que j'appelle du rough. Wow, pour un petit gabarit, tu as un sacré punch, P. Diggy. J'ai une question qui m'a taraudé toute la journée. Le P, ça veut dire quoi? Pato. En tout cas, mon pote Pato, bah, tu viens de remporter ton œuf d'or. Où sommes-nous, Monsieur Charlie? C'est ici qu'on descend. Pourquoi il vous pourchasse, Monsieur Charlie? C'est un peu compliqué. Mieux vaut que tu ne le saches pas. Pourquoi doit-on aller à Nashville? Oh, à quoi tu joues? Au jeu des questions? J'adore le jeu des questions. C'est moi qui commence. C'est de Nashville que vous venez? Vous avez de la famille et des amis là-bas? Ça, c'est une question qui va en entraîner plein d'autres. Ah non, c'est quoi ces questions? Attendez, c'est pas comme ça que fonctionne le jeu. D'abord, on ne peut pas répondre avec un seul mot. Et surtout, on ne peut pas répondre à une question par une autre question. À vous maintenant. Pourquoi t'es si indiscrète? T'arrêtes jamais de parler? Pour être exact, le mot est curieuse. Et je ne parle pas pendant mon sommeil que je sache. Je crois qu'on a trouvé un moyen de transport. Hé, hey, il est à toi le ballon? On doit aller à Nashville. Hé, hey, c'est des plantes qu'on met en général autour des jardins. Mon nom à moi, c'est Murray. Il y a du vent. Alors désolé, mais la seule promenade que je compte faire, ce sera dans tes rêves. S'il vous plaît, Monsieur Murray, nous devons y aller de toute urgence. Nom d'un chien, je te reconnais, toi. Tu es Tiny de Popstar. Oh, oh, c'était du délire ce soir-là. On les tient. Oh, la poisse, je sens des ondes négatives qui sont en train de vous arriver droit dessus. T'as tout pigé, Einstein. Aidez-nous, je vous en prie. Vite, Tiny, saute dans la nacelle. Brûle-toi, va détacher les corps. Pose-toi, passe-moi le volant. Il s'en est fallu de peu. Merci de nous avoir sortis de ce pétrin. Quand on fait un vol en ballon, il y a deux règles essentielles. Numéro 1, rester dans la nacelle. Numéro 2, profiter de la magie du moment. Bon. On va ratisser la ville pour savoir si quelqu'un l'a vu. J'ai mis mes perles au cas où il y aurait une parade. Une petite minute, je flaire quelque chose. Est-ce que vous n'auriez pas un reste de barbecue pour un pauvre chien affamé? Ça peut se faire, je dirais. Tu as déjà eu l'occasion de goûter mes fameuses côtes de bœuf au miel et au bacon? Oh, rien que d'en parler, je me régale déjà. Amène-toi alors, c'est par ici que ça se passe. Oh, vous me prendrez peut-être pour un fou, mais celui avec les longues oreilles pourrait bien être Big Ears. Oh, barbecue, tu m'as tellement manqué. Vous cherchez quelque chose? Qu'est-ce qui vous amène? Je cherche mon petit chien Tiny. Elle est ici avec un chien qui s'appelle Charlie. Oh, Tiny et Charlie sont en route pour Nashville, pour aller retrouver Emily Rose. Mais ils ont de la compagnie à leur trousse. Ce serait pas Roland, par hasard? Et Cano, ce maudit chasseur de primes. Je remercie l'univers pour avoir mené ces deux âmes en danger jusqu'à ma montgolfière. Tiny est un esprit extraordinaire. Et c'est une bénédiction d'être en sa présence. Quant à ce vieux routard grincheux, il a toujours l'air de jouer avec une baba lors de sa portée. Hé hey. Je ne le jugerai pas, parce que je sais qu'un grand cœur se cache profondément, très profondément, quelque part en lui. Amen. Amen.
Merci beaucoup pour votre hospitalité. Revenez quand vous voulez. Vous êtes mes invités. Allons-y, on a de la route. Oh, juste une minute. Il faut que je dise au revoir à Angus. Oh. Ce chien-là a du créole dans la peau. Et pourquoi tu resterais pas ici? T'aurais encore droit à mes entrecôtes. T'es sérieux, vraiment? Ouais, bien sûr. Et dites à Tiny que je mangerai à sa santé, Dak. Bonne chance. Au revoir, Monsieur Angus. Merci, Monsieur Big Ears. De rien. Tous les amis de Charlie sont mes amis aussi. Au revoir. J'ai une idée. Ça vous dirait de se faire un petit drum circle? Je m'appelle Murray et les percussions, moi, ça me connaît. Je n'ai encore jamais chanté sur des percussions. Tu sais ce que c'est, battre la mesure? La mesure? Je crois que oui. Every journey has to start somewhere. There's a rhythm that will take you there. Find the beat that's within you and stay in the groove. C'est complètement ridicule. Allez, à toi, Tiny. Every journey has to start somewhere. À toi maintenant de te l'approprier. Tu veux apprendre le son numéro 1? It's like surfing. When you're catching a wave, you gotta time it just right, or it slips away. Find the pocket, ride the tube, and stay in the groove. Vas-y, à toi, Tiny. Every journey has to start somewhere. Atterrissage imminent, cramponnez-vous. Attention. Qu'est-ce que c'était drôle? Ouais, c'était génial. Qui est le tordu qui t'a donné le permis de voler? Sache qu'il faut pas avoir de permis pour voler, vieux grognon. Mais il y a quand même deux règles à respecter pour voler avec un ballon. J'imagine que l'une d'elles, c'est... de rester dans le panier. Oh, tu mets pas de vieux poteau. Et la règle numéro 2? Ouais, je sais. Profiter du moment. Oh, trop fort. T'aurais pas par hasard des dons de... voyance? Allez, viens, petite. Merci, Monsieur Murray. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien retenu vos leçons. Tiny, surtout renonce pas à tes rêves. Bonne chance à Popstar. Arrivederci, espèce de rabat-joie. Je te l'ai déjà dit, mon nom, c'est Charlie. Ok, bien reçu, grincheux. On va aller voir Emily Rose. Je suis fan d'elle. Oh, contrôle-toi, petite, ou tu vas me rendre complètement sourd. Bouge pas de là et te fais pas remarquer. D'accord. Je ne peux pas rester assise ici sans rien faire alors que mon idole est derrière ces portes. Pas si vite, mon vieux. Je suis vraiment désolé, mais il est interdit au public d'entrer par cette porte. Owen, c'est moi, Charlie. Charlie? Sérieux? C'est une longue histoire et c'est pas le moment. Faudra que tu me racontes. Allez, entre. Allez. Bonne chance, mon vieux. Rien qu'un petit coup d'œil. Mais non, pas celle-là, voyons. C'est celle-là qui lui va le mieux parce qu'elle met ses yeux en valeur. Je te trouve aussi magnifique que la première fois que je t'ai aperçue. Charlie. Bonjour, Emily Rose. Je vous présente Charlie. Tu te souviens de Sally, mon manager et ma meilleure amie? J'aurais jamais cru que je te reverrais un jour, Charlie. Bon, à mon avis, vous avez envie de rester un peu seule. Ça va être à toi, Emily. Allez, les filles, on sort.
Le chapeau de cow-boy d'Émilie Rose. Je pense qu'Émilie Rose serait d'accord pour que je l'essaye. Je savais que tu deviendrais une star. Où as-tu disparu tout ce temps? On t'a cherché partout. Il est un petit peu trop grand pour moi. Je ne vois rien du tout. Oups, je suis désolée. Ma première partie a déjà commencé. C'est pas ce qui était prévu. Ah non, elle a pas fait ça. Elle est avec toi? Ouais, enfin, non. Tiny n'est pas avec moi. Tiny? C'est elle, la petite merveille de Pupstar? Accueillons tous comme il se doit mon invité spécial, Tiny. Miss Rose, je suis vraiment désolée, je n'ai... Tout va bien, ma chérie. Je t'ai vu à Pupstar, tu vas les faire craquer. Oh, Miss Rose, un jour j'aimerais avoir le même talent que vous. Vous êtes mon idole. Chanter de la musique country, ça doit venir du cœur. On essaie toutes les deux? Tu connais ma chanson, Cœur brisé? Évidemment, tout le monde la connaît. Vous êtes prêts? Cette chanson est dédiée à tous ceux qui, un jour, ont perdu leur amour. Allons-y, les gars. I remember when I first met you. You were like a dream come true. Every day was better than the day before. We were best friends and a whole lot more than. Things got crazy and I couldn't get back. First I lost my way, then I lost your track. Now I'm all alone and I'll tell you true. Every moment I spend missing you. C'est ça, tu y es, Tiny. Never knew that love could hurt so bad. Never knew that I could feel so sad. Why'd you leave me so broken hearted? Why'd you leave me so sad and blue? Why won't you just come running back to me? Why'd you leave me so broken hearted? Baby, anyone can plainly see that I'll be broken hearted till you come on home to me. C'était génial, chérie. Applaudissons tous chaleureusement Tiny. Tu peux me dire depuis quand bouge pas d'ici veut dire monte sur scène? C'était un malencontreux hasard, monsieur Charlie. Dépanneuse Philippe? Allô? J'écoute. Oui, oui, on a besoin d'une dépanneuse. On est à environ 50 km de Nashville. Je peux vous envoyer quelqu'un? Vous ne pouvez vraiment pas le faire plus tôt? Malheureusement, non. Hey! Salut, mon ami. Namasté. Dans cette vie, on me donne le nom d'Owen. En quoi puis-je vous rendre service? Eh bien, on aurait voulu savoir si... On est des amis de Miss Rose. Elle est extraordinaire, pas vrai? Est-ce qu'elle chante ce soir parce qu'on est venu exprès? Oh, toutes mes excuses, mais Emily Rose est déjà partie pour son prochain concert dans le New Jersey. Dans le New Jersey? Le New Jersey? Viens, viens là, calme-toi. Respire, relâche-toi, ouvre tes chakras. Que ton karma te soit favorable et soit béni lors de ton voyage sur la route et dans ton cœur. Un présent. Namasté. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Miss Rose. Pauvre petite, c'est une épreuve pour elle. Elle est complètement épuisée. C'est incroyable que tu aies gardé ces vieilles fringues. Sans doute parce que j'ai toujours continué à croire à ton retour. D'autant que je ne sais pas si tu mérites cette loyauté.
Sally, tu avais promis de ne rien dire. Pourquoi tu continues tes tournées? Je veux dire, ne devrais-tu pas économiser ton énergie? Alors Big Ears t'a raconté? C'est pas la maladie qui fait souffrir, c'est l'abandon. Je suis désolé, vraiment désolé. La vie est ce qu'elle est, Charlie, on n'y changera rien. Il faut savoir tourner la page. Bark ne s'en tirera pas comme ça, si c'est ce que tu veux dire. Je ne voulais pas parler de Bark. Ici Sadie Max Fox pour vous donner les grands titres de l'actualité sur ETV. Hier soir, Emily Rose, la star de la musique country, a accueilli une invitée surprise en la personne de Tiny, une des finalistes de Popstar. Je croyais que tu t'étais occupé de Charlie. T'inquiète, on est sur ses talons. Il a pu s'en tirer jusqu'ici, mais il n'arrivera pas à New York. Tu as ma parole. Cano finit toujours son travail. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Trouve-moi ce clébard. Avec tout ça, j'ai perdu mon appétit. Salut! Qu'est-ce qui vous arrive? On a crevé et j'ai pas de pneus de rechange. Ouh! Ça, c'est pas juste une crevaison. C'est l'essieu qui est bousillé. Vous croyez? Chouette, la bagnole! Merci, il faudra longtemps pour la retaper. D'ici demain, je vous l'aurai remise à neuf. Ce sera trop tard. Tiny sera parti d'ici demain. Tiny? Vous savez comment on arrive au Music Hall? Évidemment, je connais que ça. Ouh, ça vous scie, pas vrai? Alors en route pour Nashville. Ce sera moi devant. Devant. Ça alors, c'est une idée. Je le veux devant. Ouh. Allez, en route. En route. Tu sais, c'est la plus jolie barrette que j'ai jamais vue. C'était celle de mon amie Lou. C'est tout ce qui me reste d'elle maintenant. Je suis sûre qu'elle te manque énormément. C'est vrai, je pense à elle tous les jours. Et je veux gagner Popstar en son honneur. Si tu veux, Charlie peut te donner de bons conseils. Monsieur Charlie? Il déteste chanter. Pas du tout. Charlie a une sacrée voix, au contraire. Je crois qu'on a encore une maquette ici quelque part. Sally, tu veux bien? Oh. Monsieur Charlie? Et Bark? Avant, ils étaient très amis. C'était deux chiens de rue unis par la passion de la musique. Charlie était un chanteur-compositeur extraordinaire. On s'est rencontrés comme ça. Je venais de gagner Popstar et je l'ai poussé à y aller lui aussi. Mais il trouvait ça trop commercial. Ce qu'il aime, c'est le rock'n'roll. Puis un jour, il a disparu et c'est Bark qui est allé à Popstar. Hey! Éteignez ça! Si Tiny veut gagner Popstar, j'ai pensé qu'elle aurait besoin des conseils du plus grand des rockers. Pas question. Vous êtes incroyable, Monsieur Charlie. Si vous alliez à Popstar, vous remporteriez un contrat d'enregistrement. C'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, moi, c'est faire payer cette racaille de Bark. Charlie, tu vaux mieux que ça. On a enfin une chance de tout recommencer. C'est facile à dire pour une reine de la country dans le confort de son mobilhome. Charlie! Monsieur Charlie! Sacré chanteur, toi. Presque aussi doué que moi. C'est exactement ce que j'allais dire à propos de toi. T'es la meilleure. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi le meilleur. Je suis terriblement désolé de devoir vous informer que vous êtes tous les deux horribles. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire si Emily Rose est ici? C'est très important. Oh, pauvre petite, je me dois de dire que sa tournée l'a déjà emmenée vers son prochain concert au Garden State. Dans le New Jersey? Oui. Il y avait aussi un Yorkshire? Oh, vraiment, je regrette, mais j'ai rencontré tellement d'âmes que je suis incapable de me rappeler de qui tu parles. Namasté, je me permets de me présenter, mon nom est Raj. Elle voyage avec un chien plus âgé qui affecte toujours un air grognon. Oh oui, Charlie, maintenant je crois me souvenir. Peut-être bien qu'il y avait un Yorkshire. Oui, c'était exactement le nom qu'on lui donnait. Je vous remercie, monsieur. Oh, je me rends justement à Hoboken pour y pratiquer le yoga, et vous m'honoreriez en me permettant de guider votre voyage. Ce serait parfait. Cela alimenterait notre relation karmique. Bon, moi, il y a une tire qui m'attend, il faut que je me tire. Pas si vite! On ne peut plus se séparer maintenant.
tous les deux, on forme un duo. C'est vrai ça, c'est rasant d'être seul sur la route et de chanter en solo. Ça te dirait d'être mon copilote? Non, me dis pas que tu veux que je reste. Bien sûr que oui. Non. Je trouve que tu as du chien. Non, tu me fais marcher. On serait, enfin, elle serait absolument totalement enchantée que tu restes. Moi devant. D'accord, c'est toi devant. Devant. Ah, allez, viens mon pote. Viens mon ami, allons-y. Génial. Allons-y. Merci pour votre gentillesse, Miss Rose. Je sais que tu vas les éblouir. Je viendrai te rejoindre après mon concert. Accroche-toi, chérie. On va tracer. Continue ta route. T'as besoin de personne, t'es un chien libre, un solitaire, tu marches seul, quelle que soit la route, personne ne t'arrêtera, personne. Y arriver. Emily Rose a dit la même chose, puis elle y est allée et a gagné Pepstar. Comment elle a fait? Eh bien, elle n'a pas baissé les pattes. C'était son rêve. Moi aussi, je dois le faire, en mémoire de mon amie Lou, parce que ça a toujours été notre rêve à toutes les deux. Tu as raison. Si c'est important, alors vas-y et montre-leur. Merci, Miss Sally. Bonjour, je suis Tani et je fais partie des 6 finalistes. Oh oh, si tu le dis, mais alors où est ton os d'or, ma petite? Écoutez, monsieur, je sais que vous faites votre travail, mais j'ai eu pas mal d'aventures. J'étais emmenée à la fourrière où on m'a pris mon collier. Et puis j'ai traversé le pays en train, en ballon, en bus et à moto. Et en plus de ça, mon amie Lou est morte. J'ai tout fait pour arriver ici, alors je ne baisserai pas les pattes. Donc vous feriez mieux de prendre ce walkie-talkie et de demander à un responsable avant que je m'énerve et que je vous botte la croupe. Calme-toi, ok? Bon, écoutez-moi tous. Nous allons faire une dernière répétition générale. J'ai une petite piocheur ici qui ne manque pas d'arrogance et qui est drôlement remontée. Elle prétend s'appeler Tiny. Tiny? Oui, envoie-la-moi illico presto. C'est bon, petite terreur, tu peux y aller. Je vous remercie, monsieur. Et à propos, je suis désolée de vous avoir menacé en vous disant que j'allais vous botter la croupe. J'étais pas vraiment sérieuse. Quelle chance, j'avais déjà la tremblotte. Tiny, te voilà enfin. On a failli commencer la répétition sans toi. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Ça veut dire que Charlie est dans les parages. Que venez-vous faire ici? Sécurité! Bonjour, madame. Je me présente. Je suis Cano, le chasseur de primes. Je cherche un fugitif du nom de Charlie. Ça vous dit quelque chose? Jamais entendu ce nom. Bien essayé. Jouez pas à ce jeu-là, sinon je vais vraiment me fâcher. C'est la barrette de ce Yorkshire. J'ai horreur qu'on me raconte des salades. Le Yorkshire est ici. Où est-ce que vous êtes, bande de crétins? Tiny est à New York, sur le plateau de Popstar. Allons-y. Oh non. If this pod could only be heard, then I'll finally be seen. Oh, what a world it would be to just be me. Ooh. Oh, désolé de vous avoir interrompu, monsieur. Oh non, s'il te plaît, ne dis pas à Bark que je chantais. Pourquoi? Il est toujours très en colère quand je chante. Qu'est-ce qui le met en colère? Je trouve que vous avez une voix magnifique. Tu le crois vraiment? Ce n'est pas juste une impression, c'est une certitude. Jamais personne n'avait encore cru en moi. I remember when I first met you, you were like a dream. Emily? Charlie. Tu savais que j'étais là? Tu t'es toujours tourné vers les rails quand ça va mal. Content que tu sois là. Il y a une chose que je voulais te dire. J'ai jamais voulu t'abandonner. Bark a engagé Cano, le chasseur de primes, et sa bande. Ils m'ont jeté à la fourrière. Je savais pas pourquoi, jusqu'à ce que je vois Bark à Popstar, en train de chanter mes compositions. Jamais je t'aurais quitté sinon. Je l'ai compris maintenant.
Arcano et un humain Roland sont venus chez moi. Ils te recherchent, toi et Tiny. Tiny a laissé ça pour toi. Mais cette barrette est la seule chose qui lui reste de son ami Lou. À présent, c'est toi tout ce qui lui reste. Où est-elle d'ailleurs ? Elle est à New York. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors vite ! Super, Bart. Au niveau du son, c'est parfait, merci. Merci, Bart. Ok, tout le monde vérifie son matériel. Ce soir, je vais mettre le feu, comme d'hab. Tu es doué, mais pas pour la modestie, en tout cas. C'était vraiment super, Monsieur Bark. Mais c'est la chanson de Monsieur Charlie. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ma toute nouvelle chanson, je viens de l'écrire. Tiny, c'est à toi. Là, on a un très gros problème. Où êtes-vous ? T'inquiète pas, on est presque arrivé. Si Charlie approche une seule patte, on le tient. Il ne s'agit plus seulement de Charlie, la petite aussi en sait trop. Elle menace ma victoire. Alors écoutez bien, j'ai un plan. Bon alors, allez vous reposer un peu et soyez là sans faute dans 2 heures pour le toilettage. Ce soir, on sera en direct pour la finale. Ça va être géant! Je te cherchais. Notre ami commun est ici, il veut te voir. Monsieur Charlie? Il est dans ma limousine. Viens. Installe-toi, fais comme chez toi. Te voilà enfin, Tiny. Moi, c'est Kano, le chasseur de primes. Et j'imagine que tu te souviens de moi. Oh non! À l'aide, venez à mon aide! À l'aide, aidez-moi, s'il vous plaît! Je suis kidnappée! À l'aide, venez m'aider! Ouais, continue à japper que Charlie t'entende. Je n'ai rien fait, laissez-moi partir! Je vous en prie! Je vois pas pourquoi je devrais rester ici. J'ai une récompense à empocher, moi. Tiny est notre appât et on n'a pas encore fini le boulot. Tant qu'on n'aura pas Charlie, tu feras ce que je te dis. Ce que je veux dire, c'est... Reste tranquille comme un bon humain. Bon, alors Bark, Pedigui, Chiquita, Pharrell, Winston et... Tiny... Une minute. Où est passé Tiny? Quelqu'un l'a vu? Tant mieux. Ça fera toujours un chien de moi à écrabouiller. Ne me dis pas que tu as quelque chose à voir avec son absence. Évidemment que c'est moi, espèce de corneau, il le fallait bien. Mais elle est encore toute petite. Et elle est vraiment adorable. En plus, elle a beaucoup de talent. Du talent? Depuis quand tu t'y connais en talent? Excusez-moi, est-ce que Miss Rose est là? Je suis à la recherche de Tiny, c'est mon Yorkshire. Je l'ai conduite à New York pour Popstar. New York? C'est ici que nos chemins doivent se séparer. Il y a un resto spécialisé en curry où j'ai mes habitudes. J'y ai une réservation pour aujourd'hui. Curry? Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Eh, mais ça tombe bien! Justement, nous aussi, on va là-bas. Merci beaucoup, Monsieur Owen. Peu importe la destination. C'est le voyage qui compte. Namasté. 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 Tout le monde à bord! Bienvenue à New York City! Je suis Rover et nous sommes en direct pour la finale de Popstar! Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos candidats sont venus auditionner. Throw me a ball. He dig it what? He dig it rough. Et la grande question que tout le monde se pose est qui d'entre eux pourra battre Bark, notre champion en titre? Les chanteurs
chasseurs qui se sont vus décerner un os d'or ont tous une chose en commun. Ce sont des chiens qui se battent pour que puissent réaliser leurs rêves. Dans un instant, chacun des candidats va soumettre à votre vote une chanson de sa composition dans son propre style musical. Et le vainqueur remportera un contrat d'enregistrement national. Le premier à se présenter à vous est le plus jeune des rappeurs de Popstar, dont le nom est P. Diggy. When I walk by all the butchers, they throw me some meat. They love this outlaw bad boy coming from the city street. I'm signing autographs, I'm marking trees. I'm spitting lyrics, turning pit bulls into pygmies. Je vais aller arroser un lampadaire. Fais gaffe à Charlie, t'endors pas. Et maintenant, celle qui, avec sa démarche chaloupée, vise vos cœurs et vos votes, voici Chiquita. Alors ça roule, mon pote. Je t'ai manqué. Non, pas toi, c'est pas vrai. Monsieur Charlie. Relâche-la, tout de suite. Le crooner de ce soir, voici Winston. Was it all just a dream? Ouvre cette cage. On lui a rien fait. C'est la barrette de loup, mais c'est pour vous que je l'avais laissée. Tu m'as donné bien plus que ce que tu peux t'imaginer, petite. Tu as appris à un vieux ronchon qu'on peut croire en la vie. Quant à toi, cache-toi les yeux et compte de 1000 jusqu'à 0 à voix haute. 1999, 998, 997, 987. Et maintenant, nous venons tout droit de Chicago, l'adorable Yorkshire Tiny. Tiny n'est toujours pas là. Il faut passer au suivant. Malheureusement, mesdames et messieurs, on me dit en régie que Tiny a disparu. Et selon les règles de Popstar, ça signifie que Tiny est officiellement disqualifié de la compétition et donc nous continuons sans elle. Alors, passons au plus swing et au plus frétillant de nos candidats de ce soir, Pharrell. ...188, 187, 186, 185, j'ai rien fait. C'était une idée de canoë de barque. Espèce de crétin, c'est moi. Avec une toute nouvelle chanson, voici Park. Miles from home, and I can't retrace my steps. Vite, allez, vite, Monsieur Charlie. Ah non, tiens, salut Charlie. Miss Rose? Tiny? Monsieur Charlie, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, petite. Il faudra d'abord qu'il me passe sur le corps. Tu sais quelle heure il est, Roland? Il doit être 5h38. Il est l'heure de la vengeance. Ça alors, c'est drôle, parce que c'est exactement ce qui m'amène, moi aussi. Tu te souviens du dicton, Charlie? Œil pour œil. Bugly! Vite, Tiny, par ici! Comme ça. Ce n'est pas Park qui l'a écrite. Il vous a volé votre chanson. Je vais lui apprendre. Ne t'inquiète pas, les chansons sont plus puissantes que les crocs. Le moment est venu de se battre à ma façon. Je vais mettre les pendules à l'heure. Come highway or byway. I've got to do it my way. Until that day, I'll be on my way. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? I'm a rolling bone and I walk alone. I'm a rolling bone and the road is long. I'm a rolling bone and you know it's true. I'm a rolling bone, rolling back to you. I was born astray. All I owned was the music in my soul.
Ce chien n'est qu'un vagabond, un bon à rien qui veut me voler ma chanson. C'est un désastre, un désastre. Tu plaisantes? Pour l'audimat, c'est excellent. Écoutez-moi tous. C'est vrai que je ne suis qu'un vagabond, mais si c'était vraiment une chanson inédite, comment j'en connaîtrais les paroles? Là, il marque un point. Tu as gagné la battle, oh la patte! Maximum respect, mec. Comment se fait-il que vous connaissiez cette chanson? Avant, Bark était mon choriste. C'est moi qui ai écrit les chansons qu'il a interprétées. Il s'est présenté avec mes chansons en prétendant en être l'auteur. Il délire, c'est n'importe quoi. C'est vrai! Il vous a dit la vérité. Ne l'écoutez pas, c'est une chanteuse ratée, rien d'autre. Au fait, tu es disqualifiée. Je suis en retard parce que Bark m'a fait kidnapper. Pugley, mon vieux pote, explique-leur, toi. Mon nom n'est pas Pugley, c'est Michael Pugley. Je ne défendrai pas un méchant chien, mais je veux défendre Tiny et Charlie, parce qu'ils disent la vérité. Tais-toi, sale roquet! De toute façon, tu n'as aucune preuve! Mais moi, j'en ai une. C'est quoi encore cette histoire? J'ai un enregistrement qui le prouve. Vas-y, Sally. Bark n'est qu'un voleur et un menteur. On dirait que ça sent le roussi, Bark. Bark, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es définitivement disqualifié de Popstar. Sécurité, faites-le sortir. Charlie, c'est ça? Ce serait un grand honneur pour nous si vous reveniez la saison prochaine. Bon sang, mon gars, toi tu suintes le rock'n'roll par tous les ports. On peut dire que tu sais y faire, mec. Merci, mais ma route, je vais la continuer avec la reine de la country, Emily Rose. Étant donné les circonstances, Tiny a toujours sa place dans la compétition. Alors accueillons avec des youpi wawa le retour de Tiny. Halte là, où est-ce que vous allez comme ça? On est avec Tiny, on est sa famille. Sans blague! Alors où est votre invitation VIP, comme les autres familles? On n'en a pas, monsieur. Invitation ou pas, ça ne changerait rien. Tiny n'est pas ici de toute façon. Ah, non? Ah. Minute, papillon. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un os d'or. Il est à Tiny. Alors, ma jolie, quelle chanson as-tu choisi de nous chanter ce soir? Une chanson pour mon amie Lou, parce qu'elle a toujours cru en moi. Tiny? Eh bien quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! There was a time when the road was dark. All my dreams were torn apart. Then I found my soul and made a friend. Started on my way again. You lifted me up into the sky. Found my groove and I could fly. So don't lose hope when love's away. La voilà, c'est bien elle. 'Cause it'll come back to you someday. Cru de toutes tes forces et ton rêve s'est enfin réalisé. Vas-y, petite. Ouais.
toi. Je ne rêve pas. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Oh mon Dieu, d'entendre ça, ça me donne envie d'appeler ma maman. Purée, avec cette chanson, si j'avais pas des dreadlocks devant mes yeux, tu verrais qu'ils sont pleins de larmes en ce moment. C'est vrai qu'un cow-boy, ça ne pleure pas. Mais les sentiments que tu fais passer me rappellent ce que je ressentais quand je mangeais la tarte aux pommes de ma grand-mère. C'était poignant tant elle y mettait de l'amour. Comment pourrais-je te dire ça? C'est... génial. Ça valait la peine d'attendre. J'invite maintenant les finalistes à me rejoindre sur scène. Lequel de ces candidats sera le vainqueur de la 10e saison de Popstar? Jury, votre décision? À l'unanimité du jury. Ouais, on est tous d'accord, y a pas photo, mec. Et la nouvelle Popstar est... Tiny! 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 Tiny, tu es notre nouvelle pop star. C'est extraordinaire. À toi, Tiny. Avant de nous quitter, offre-nous une dernière chanson. Pour ça, j'ai besoin de tous les finalistes et de tous mes amis. Lou, Monsieur Charlie, Miss Rose, vous êtes prêts? Ouais. On est prêts, Tiny. I was trying to find my way, feeling so far from home. Then you came to me when I was all alone. You opened up your heart and helped me truly see all the things that we could be. Nothing can break our bond. We'll always make it through if you are by my side. When you believe in how to sing with feeling, then you learn how to sing with soul, and you learn that when you sing from the heart, you can follow your dreams, 'cause friends are always there for you, tried and true. When you believe in me, I believe in you. Tu as confiance en moi. Et j'imagine que tu te souviens de moi. C'est
petit chien est très important pour ma fille et pour notre famille. Il y a presque toujours une clé en dessous du paillasson. Ne t'inquiète pas, les chansons sont plus puissantes que les crocs. Allez, debout, je suis un chasseur de primes, c'est ce qui compte. Ah, ils n'ont aucune chance, c'est moi qui vais gagner ce concours. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui un jour ont perdu leur amour. Oh, ce serait encore mieux avec de la sauce barbecue. Tu m'en passes ? Ce soir, je serai votre présentateur, alors voici Popstar. Vous savez qui je suis. Je suis Big Ears pour vous servir. Non, non, attendez. Je sais chanter, je sais danser, je sais réciter de la poésie. C'est peut-être un peu forcé. On dirait une mouette qui est étranglée par une pieuvre. Ouah, trop fort. T'aurais pas par hasard des dons de voyance? Pidigui quoi? Pidigui waf. Y'a pas de quoi, Tiny. Tout se passera bien. On va pas te mordre. Je dis ouf, ouf. Quelle voix, cette petite chienne. Ta voix n'est pas assez maîtrisée pour cette compétition. Désolé. D'abord, mon nom n'est pas Pugley. C'est Michael Pugly. Bon sang, toi, tu suintes le rock'n'roll par tous les ports. Y'a un humain qui veut vous voir et qui dit qu'il est un pote à vous. Minute, papillon, vous ne m'avez pas dit que vous aviez un os d'or. Que tu es bête. Pour le récompense, bien sûr. Il faut d'abord croire en soi-même si on veut que les autres le fassent aussi. C'est ce deux pattes qui a organisé toute l'affaire. C'est un véritable génie. Même pas vrai. Je suis pas assez malin pour faire ce genre de truc. Pour toi, c'est la tôle maintenant. T'inquiète pas pour moi. Je vais leur montrer mon meilleur côté. Ton meilleur côté? Because you're two-faced and both sides are ugly. Boom! When I walk by all the butchers, they throw me some meat. They love this outlaw bad boy coming from the city street. I'm signing autographs, I'm marking trees. I'm spitting lyrics, turning pit bulls into Pekingese. The people love me, I got masters wrapped around my leash. I disobey them, then I trick them into giving treats. I don't roll over, I ain't never playing dead. My name is P. Diggett, not Rover, so you best check what I said. Wag your tail with me, wag your tail with me. Wag your tail with me, now wag your tail with me. Wag your tail with me, man, wag your tail with me. Wag your tail with me, man, wag your tail with me. Wag your tail with me. A dream come true. Every day was better than the day before.